Surtout un dimanche, on attend près de 15 000 personnes, machallah.
Du coup, on est en train de négocier pour avoir un nouveau le palais des congrès, quitte à régler, quitte à payer la prestation, parce qu'on estime que la communauté musulmane doit faire la fête dans les meilleures conditions, surtout ça va être un dimanche, en famille, inchallah, avec les enfants. Et voilà, on va finaliser ce contrat avec la société Events qui loue l'espace. Et c'est le meilleur endroit pour nous, pour la communauté, pour faire l'Aïd, la fête, avec un espace de près de 7000 mètres carrés. Sachant que la mosquée, elle fait autour de 1600 mètres carrés. Vous voyez les carrés. C'est impossible de le faire à la mosquée, sinon il faut le faire 6, 7. 7 fois pour pouvoir recevoir tous les fidèles et tous les musulmans à l'occasion de la fête. Donc on est en train de travailler sur ça et Inch'Allah on vous tiendra au courant du lieu et ce sera certainement le palais des congrès. Je rappelle qu'il est sur au niveau de la rue de Paris, pas loin du métro Robespierre. Sur la rue Marcel Ruffich, en descente de la rue la plus tendre. Alhamdoulilah, il est à proximité et c'est idéal pour la communauté musulmane. À l'occasion de cette fête de l'Aïd, on a eu une réunion ce matin avec la préfecture, une réunion sur la sécurité avec le chef de la direction de la sécurité et avec des agents des directions des services sanitaires. Donc le message, c'est bien entendu, il faut éviter de faire des sacrifices dans un coin, clandestinement, parce que, au niveau sanitaire, on n'est pas protégé, vous n'êtes pas protégé, et deux, c'est illégal. Vous restez grosse amende, donc il va y avoir quelques contrôles dans les véhicules. Maintenant, c'est clair qu'on a soulevé le problème des abattoirs mobiles, parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y en avait un à Tully, à Le Bourget, il n'aura pas lieu. Je parle donc des abattoirs mobiles, donc, parce qu'à cause des Jeux Olympiques, les musulmans se retrouvent quand même avec peu de possibilités. Il y a l'abattoir de Meaux, il y a Creil. L'abattoir de Meaux, c'est un abattoir. Je ne sais pas s'ils vendent des agneaux sur place. Mais bref, ça devient aussi un peu difficile pour le département du 93 et même l'Île-de-France. Quoique en Seine-et-Marne, ils sont quand même un peu plus, il y a plus d'espace. Donc on leur a demandé de faciliter à l'avenir pour que la fête musulmane se fasse aussi dans des conditions légales, au niveau sanitaire et au niveau réglementaire. Voilà, qu'il faut offrir davantage de possibilités de faire des abattoirs mobiles. C'était ça l'ordre du jour à la préfecture. Donc nous ici à la mosquée, on va essayer d'offrir une possibilité pour réserver aussi ici. Vous avez aussi les bouchers, hein, si vous bouchez, vous avez confiance. Mais nous on a essayé de proposer ça aussi ici pour faciliter aussi le devoir de la communauté musulmane à faire son sacrifice. Il ne s'agit pas, d'ailleurs je l'ai rappelé lors de la réunion de la préfecture, il ne s'agit pas de faire un sacrifice pour manger du mouton. Le mouton, on en mange toute l'année. C'est surtout pour... c'est le don. C'est le don, c'est le symbole. D'ailleurs, ce mouton, on doit le partager, on doit le donner, une grosse partie doit être donnée, et on doit le partager. C'est surtout ce symbole d'Ibrahim, alayhi salam, que la paix soit sur lui, qu'on va faire revivre, et qu'on va transmettre à notre génération au fur et à mesure. C'est surtout ça qu'il faut aussi voir pour la grande fête de l'Aïd. Adha, c'est la fête du sacrifice. Voilà, nous on fait comme pour votre attention. Aussi, concernant les entrées, tout à l'heure, il en a parlé le chef Ibrahim Bouri, à vous de lui laisser la parole.
les gilets jaunes, tous les bénévoles qui sont là à votre disposition, à notre disposition. Pour Saint-Athéride, il va y avoir 15 000 personnes. Vous imaginez, on n'a pas le soutien. On aura certainement la sécurité, parce que quand on va payer, il faut savoir que la matinée, c'est assez cher. Donc on va investir. La mosquée, le Conseil des musulmans de Montreuil, l'association dont je suis le président, on va investir 11 000 euros pour pouvoir louer, parce qu'on a négocié un prix arrangé, je suis nous a arrangé ce prix, parce que nous sommes une association non but lucratif, but non lucratif, on n'est pas une société commerciale, etc. On est un lieu de culte, donc ils nous ont aménagé un parking de 11 000 euros. On va payer, la mosquée payera 11 000 euros pour que la communauté musulmane fait la fête dans les meilleures conditions. Voilà. Donc je revenais sur le point. Donc on aura besoin de bénévoles qui vont travailler avec la sécurité qui sera sur les lieux. Et pareil pour ici. Ces gens-là, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie, et ils sont là bénévolement, c'est-à-dire c'est fiscal, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de privilège, il n'y a rien. Donc la moindre des choses, c'est de leur sourire, de les encourager, voire même de les embrasser, pourquoi pas. Donc voilà, on incite un beaucoup de respect pour tous ces gens qui, grâce à eux, arrivent à faire le vendredi, de là, dans l'ensemble, ça se passe très bien. Barakallahu fikoum, wassalamu alaykoum.